suis Doreuse à la Feuille d'Or. Je suis revenue m'installer dans ma région natale, le Var, où j'ai voulu me consacrer à une activité de création. Dans chacun de mes travaux, j'essaye de mettre en avant le côté végétal, la botanique. Je me concentre beaucoup sur des fleurs qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes. Avec juste une feuille de métal précieux, en fait, ça devient des petits trésors. On a discuté avec Guerlain pour habiller un flacon à l'occasion des 100 ans de l'eau de fleur de cédra. On a élaboré ensemble un choix de végétaux qui serait emblématique de la Méditerranée. Le palladium, c'est un métal qui est plus précieux que l'or. On a le même objectif avec Guerlain, qui est de capturer la fragilité, l'évanescence et de les proposer pour un temps qui nous dépasse.